Good morning, Aleiden. Les tu seras aujourd'hui le Lunishmat Nissim Ben Ahuda, Sarah Bat Hana Rachel, ainsi que l'Urfouat Ari Akiva Ben Shachar et Raphaël Zvulun Ben Chayam Alabetor Shachol Israël. Si vous souhaitez, vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah avec les 5 minutes éternelles, nous étudions le Sertavot Perekei Mishnachet. Shiva Mine Pouranouyot Ba'in Laolam Al Shiva Goufei Avera. Miksatan Measrin, ou Miksatan Anan Measrin, Rav Shel Bat Soret Ba'a, Miksatan Revim ou Miksatan Seveim. Gamrou shel ole aser, rav shel mehuma ve shel batzoret ba. Ve shel ole tolet achala, rav shel kalaya ba. Deder ba la olam al mitot amurot batora shel ole nimsero le bet din, ve al perot shviit. Cherev ba la olam al inuy adin, ve al ivut adin, ve al amurim batora shel ole kahalacha. On commence par traduire. Et on va soulever tout de suite un problème. Shiv'a mine pouranouyot. Sept sortes de punitions, de catastrophes, de punitions, ba'in la'olam, viennent s'abattre sur le monde, al shiv'a goufei avera, en rapport avec sept types de fautes, de avéro, de transgressions que l'on peut faire. Comme ce qu'on va voir, la Mishnah va énumérer que face à telle catastrophe est produite par le ciel, parce que le peuple transgresse tel avéra, comme ce qu'on va voir tout de suite. Je vous annonce tout de suite, j'ai juste un très grand problème dans cette Mishnah, c'est qu'on compte 7 pour anouyot, pour 7 sortes, 7 punitions pour 7 avérot. Lorsque, premièrement, on va énumérer les cas, on va en trouver que 5 dans la Mishnah, que 5 punitions. Et il va y avoir en plus ça pour certaines avérot, où il va y avoir 2 à 3 raisons pour lesquelles elles viennent. Donc ça va faire plus que 7. Donc les 7 punitions, ça va faire en fait 5 punitions, et les 7 avérot, ça va faire bien plus, j'ai pas compté combien il y a, mais ça dépasse au moins la dizaine. Et j'ai des problèmes, j'ai pas vu franchement quelqu'un qui pose cette question pourtant très élémentaire. Avec en plus de ça, hein, ce que je me suis dit, c'est que la prochaine Mishnah, elle va continuer en nous racontant qu'il y a eu 2 autres punitions. Il y a aussi, on verra quand on fera la prochaine Mishnah. Donc éventuellement, je propose que c'est sûrement en fait la suite, ça va être les 7, 5 dans cette Mishnah et 2 dans la prochaine. Mais par rapport à ma question des gouffés avéra, des types de avérot qu'on transgresse, je n'aurai pas de réponse. Si vous en avez une, laissez-la sur YouTube en commentaire, ça ne fera pas de mal. Enfin voilà, nous, notre but c'est d'avancer et donc on traduit. 7 sortes de avérot pour 7 types de avérot. 7 sortes de punitions pour 7 types de avérot. Il est possible, entre parenthèses, que les 7 types de avérot, il est vrai qu'on va énumérer à chaque fois 2 à 3 avérot, mais en fait, elles véhiculent même le même principe, donc finalement, peut-être c'est compté comme un seul gouf avéra, je sais pas. Miktsatan me'asrin ou miktsatan enan me'asrin. Premièrement, si une partie du peuple prélève les prélèvements et les donne à qui de droit, aux Lévim et aux pauvres, ou les montagnes Yerushalayim et tout ça, donc ça c'est Miksatan Me'asrin, ou Kohen bien sûr, une partie du peuple prélève, mais une partie du peuple ne prélève pas. Donc finalement, il y a ici un petit peu un petit balagan, je ne sais pas comment le traduire, une petite embrouille, quoi. C'est, pas tout le monde fait ce qu'il faut faire, il y en a que oui, il y en a que non. Et bien en parallèle, on va voir, vous savez bien que parce qu'on donne les Troumat et Maasrot, alors Hachem il nous donne la Bracha chez nous. C'est rapporté dans les psukim, c'est rapporté dans la Torah elle-même, c'est rapporté dans les Nevi'im. C'est d'ailleurs la seule mitzvah où on a le droit de mettre à l'épreuve Hachem, de donner l'argent à la tzedaka, de donner les maasrot, et qu'on voit que la bracha, ben, qu'on ne perd rien grâce à la tzedaka. Alors maintenant, de ce fait, puisque donner les maasrot, c'est la cause de la tzedaka, ne pas donner les maasrot, c'est la cause, chas v'shalom, de fermer les tuyaux d'en haut. Et alors du coup, si certains donnent et certains ne donnent pas, en parallèle, la punition va être qu'il va y avoir les tuyaux du ciel, c'est-à-dire essentiellement la pluie, qui vont un petit peu, mais pas beaucoup, parfois de temps en temps par-ci, de temps en temps par-là. Donc, on va se retrouver avec Ra'av Shel Batsoret Ba'a. Littéralement, une famine ou une disette, on va voir, il faut distinguer dans la Mishnah, j'ai pas trouvé les bons mots en français, je les ai cherchés, j'ai pas trouvé, pour distinguer 3 sortes de famines qu'on va découvrir tout de suite. Premièrement, là, c'est la petite famine, ça veut dire c'est la petite pénurie, la disette. D'accord, la disette, Shel Batsoret, qui est liée au manque de précipitation qui vient. Donc il n'y a pas eu de pluie, les végétaux n'ont pas bien poussé, c'est un peu la dalle, tout coûte cher, il y en a qui ont faim. Miktsatan Revin, ou Miktsatan Sevim, certains sont rassasiés, et d'autres ont faim, selon si on a de l'argent, si on en a eu dans son champ ou pas. Donc c'est en parallèle, un petit peu, certains prélèvent pas, donc certains ont faim, certains n'ont pas faim. Ensuite, deuxième étape maintenant.
Gamrou, Shelo, Lasser, ils ont décidé que ça n'y ait plus personne prélève. On est tous devenus des radins, on donne plus d'argent aux pauvres, on donne plus les trombones ou masrot comme il faut les donner. Ben dans ce cas-là, Chaz Shalom, Ra'av Shel Mehuma, Veshel Batsoret Bar. Ça va être dans ce cas-là une disette, on reste dans le même niveau, mais qui va être de Mehuma et de Batsoret qui vient en même temps. Une double cause. C'est quoi la Mehuma? Le Bartenor rapporte que on peut même plus. Alors lui, le Bartenor rapporte qu'on peut même plus partir cuire chez soi. Il y a une peur des ennemis, des bombardements, des ennemis qui vont nous tuer, que du coup, on va même plus sortir le peu qui a poussé dans les champs pour aller les chercher. Ou encore, une autre interprétation rapportée dans le Tiferet Israël, à cause des guerres, donc c'est la famine qui est liée à la guerre plutôt, à cause des guerres, on va pas pouvoir se dire que en cas de problème, on va aller à l'étranger, on va partir, on va quitter la ville, on va partir à 100 km plus loin pour pouvoir manger. À cause des guerres, on ne pourra même plus le faire. Donc du coup, on reste avec la faim, chas v'shalom. Les hommes restent avec leur faim dans leur lieu. C'est ça le ra'av shel mehuma v'shel batzoret bar. Une double cause de famine, de disette, qui est liée donc à cause des guerres et en plus de ça, à cause des faibles précipitations qui sont tombées à l'année. Maintenant, v'shel olitol et achala. Si toutefois, maintenant, ils ont décidé de ne plus donner la chala. Il y a un grand dagage par rapport à la chala, prélever la chala de la pâte, où il faut prélever une quantité conséquente pour la donner au Kohen, initialement, bien sûr. Alors, dans ce cas-là, chas v'shalom, ra'av shel kalayaba. Cette fois-ci, c'est la grosse famine due à la grosse sécheresse qui vient, comme le Bartenor rapporte, à Shamaim ke Barzel, les cieux sont secs comme du fer, ve'aretz ka nechusha, et la terre, elle est comme du cuivre, apparemment, je pense que ça se traduit, sec au possible, la terre qui craque, ouais, la Somalie, quoi, quand j'ai cherché les synonymes de la famine et de la disette, tout ça, je suis tombé sur une page Wikipédia où on avait les photos de la Somalie. J'ai compris c'est quoi, Ra'av Shel Kalaya, Rahman al-Islam, Shalom et Damizé. D'accord ? Et pourquoi maintenant ? Quelle est la gravité de la faute de ne pas prélever la Chala particulièrement ? C'est apporté dans le Tosot Yom Tov au nom d'un livre qui s'appelle le Midrash Mouel, un super livre. Sur le Pirkei Avot, on en reparlera quand on fera le Perek Shishi, ou le Pirush essentiel, c'est le Midrash Mouel. En tout cas, il explique dans le Midrash Mouel, il explique que la particularité de la Chala, c'est qu'on a moyen de pétrir des petites quantités et de ne pas se faire imposer de la Chala. Alors si déjà, t'es radin et tu ne veux pas donner, fais en sorte de ne pas te faire imposer des misotes. Parce que si tu commences à prendre, à faire une grosse pâte qui se fait imposer alors que tu pouvais faire deux petites pâtes, il ne fallait pas le faire a priori. Mais si déjà on n'a pas l'intention d'aller prélever, alors fais en sorte au moins de ne pas te rendre chayav des mitzvot, comme ça au moins tu ne les donnes pas parce que tu n'en as pas été imposé. Alors c'est pas joli, c'est pas sympa, mais tant pis, au moins tu n'as pas transgressé. Alors que là, il se permet de faire une grosse pâte, chas v'shalom, zenira le'achis, pour énerver Hachem, pour dire je m'en fous. Eh bien, puisqu'il s'en fout, il s'en moque, eh bien Hachem en retour, il s'en moque, et chas v'shalom, il laisse tout le monde périr dans la famine Rahman et Islam. Ensuite, quatrième châtiment. Deverba la olam, cette fois-ci c'est la peste. La peste, ça signifie qu'en fait, qu'un qui communique à l'autre. On va expliquer la particularité justement par rapport à la vera. Alors pourquoi vient la peste et détruit, la contamination, ça se propage très gravement, et dans ce cas-là, il y a des gens qui meurent, même. Justement, c'est là la singularité. Même les gens qui peuvent être parfois tzadiks, qui vont mourir à cause de... parce qu'ils se sont fait contaminer eux aussi. Alors ça vient pourquoi Almitot amurot batorah. Ça vient en... Shelonim siro le bedin. Ça vient en rapport aux châtiments, aux punitions, aux exécutions qui étaient imposées dans la Torah, que le bedin pouvait, en théorie, les juger, mais ne peut pas les juger. Pour X ou Y raison, parce qu'il n'y a pas des témoins, parce qu'il n'y a pas de Sanhedrin et tout ça, et bien dans ce cas-là, Hachem, il règle les comptes en envoyant la peste, mais en plus de ça, Valperot Shvi'it. Valperot Shvi'it, c'est sur le fait qu'on n'a pas respecté les halachot des fruits de la Shvi'it. Hachem et Rachem, il y a des grands microbes et virus qui sont produits notamment à cause des Perot Shvi'it. Quelle est la singularité des Perot Shvi'it? Le principe, il est simple, c'est par rapport à ce qu'on expliquait. La punition de la peste, c'est comme ça, c'est rapporté dans la Gemara. On contamine même quelqu'un qui n'était pas forcément rachat, le soir qui avait une petite avéra, mais pas au point d'être lui-même puni, mais à cause du voisin, il se fait punir. Le principe, il est que quelque part, se conduire sans respecter les règles de la Juite, ça signifie qu'on considère que le monde n'a pas de propriétaire. Le but de la Juite, c'est de témoigner qu'Hachem dirige le monde. Une fois tous les 7 ans, on met le change à Hachem, et on laisse comme ça tout, et on fait confiance à Hachem qui va nous nourrir. Ne pas
Faire, ne pas respecter les lois de l'âge 8, ça signifie que le monde n'a pas de propriétaire. Il n'a pas de propriétaire? Et bien dans ce cas-là, tu vas voir que le, entre guillemets, le pas de propriétaire aussi, tu vas voir comment ça va faire que lorsqu'il va y avoir des épidémies, ça va frapper même des gens qui n'étaient même pas censés mourir, comme s'il n'y avait pas de propriétaire, effectivement. En rapport à ça, donc, Chas v'Shalom, c'est la vera. Ensuite, cinquième punition apportée par la Mishnah, Cherev Ba'al Olam, l'épée. L'épée, ça signifie que c'est ciblé. C'est ciblé par un ennemi. Et ça vient sur le Inuy Adin, Ivut Adin, Ve'al Amorim, Batora Shelo Ka'alacha. Trois choses qui tournent autour du même pôle, finalement. C'est le Bet Din, les Chachamim, les Rabbanim, qui sont censés trancher d'Alachot comme il se doit, que ça implique trois choses, trois aspects. Inuy Adin, c'est le fait de faire traîner le jugement. Normalement, il y a des Alachot, lorsqu'on doit juger quelqu'un, d'abord les Dayanim, c'est merveilleux, on avait appris tout ça dans Sanhedrin. Avec quel sérieux ils approchaient les exécutions. Ils devaient même pas manger durant toute la même journée, ils devaient reporter ça au lendemain. Ils n'avaient pas le droit de partir dormir chez eux normalement. C'était un grand jour de sentir une grande responsabilité. Ça, c'est comme ça qu'il doit être le Dayan initialement. Le Inuy Adin, c'est qui fait traîner le jugement. Oh, je le viendrai, je jure demain. On lui fait une audience pour encore trois semaines après. Et puis pendant ce temps, l'autre, il est en train de se faire cuire. Est-ce qu'il va se faire exécuter, pas exécuter? C'est une souffrance terrible de vivre dans l'incertitude comme ça. Ça, c'est le Inuy Adin. Ivut Adin, c'est qu'il a faussé le jugement. Soit il n'a pas pris au sérieux, soit il s'est laissé facilement influencer par un côté alors qu'il aurait pu être plus objectif. Ou encore, va la morim batora, shaloka alacha, que chas v'shalom. Ceux qui vont donner des halachot de la Torah qui ne sont pas comme la loi, elle a été établie. Ils font les choses un petit peu à la va-vite sans réfléchir vraiment et profondément. Ils se mettent à trancher et à croire que tout va se passer facilement. Il faut savoir sur ça, chas v'shalom chalila, que c'est sur ça que l'épée, les attentats, ça arrive, ça vient sur le monde, que voilà. Shalom et dami kol zeh bezrat Hashem, et qu'on fasse bien, qu'on donne bien les troumot ou maasrot, qu'on prélève bien la chala. Et comme ça, et aussi qu'on respecte et qu'on soit franc et honnête, comme ça, Bezrat Hashem, Hashem, il nous protège en toutes circonstances, il nous donne la bracha, v'atzlacha, Bezrat Hashem, pour ne pas finir sur quelque chose de mal, il ne faut jamais, quoi. Et voilà, je vous souhaite une journée pleine de v'atzlacha, comme tout, salam.